Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour mon let's play de Pokémon Saphir Alpha. Alors, j'ai fait XP un petit peu, mais Pokémon. Et ouais. Alors, oui, j'ai capturé un nouveau Pokémon qui s'appelle Abracadabra, qui n'est autre qu'un Abra. Il devrait apparaître sur le layout dès maintenant. J'ai fait évoluer mon mini-rondelle, mon Midiana et mon Love au niveau 16, tandis que Poisseau est au niveau 15. Car vous savez très bien ce qui se passe quand il est au niveau 16. Donc du coup, on va activer le multi-exp. Oui, on l'active mal. Donc du coup, là, on va se retrouver contre Monsieur Bastien. C'est bon, hop. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Je suis Bastien, champion, le champion de Mioka. Bastien, le champion d'arène de Mioka. J'ai découvert le secret de la vraie puissance en fixant le Nautil pendant des jours et des jours. Je me suis entraîné dans une grotte obscure, loin des villes et du confort. Super, ouais. En mettant cette arène à contribution, voilà le résultat. Et pourtant, tu oses modifier. Nous allons voir ce dont tu es capable. C'est bon. J'ai aussi récupéré la CS Coupe 103D. Voilà. Bastien, le champion, veut se battre. Ah, il envoie un Machoc. Moi, j'envoie mon hirondelle. Hop. Désolé, c'est trop mal. J'ai presque one shot. Allez, on va y arriver. Oh, il y a une super potion. Presque one shot, il va encore utiliser une super potion à tous les coups. Ah non, il n'utilise pas de super potion. 183 points d'expérience. Le Makuhita. Non, on le laisse, le petit Nirondelle. J'ai failli le tuer. J'ai failli tuer son Makuhita. Il est cruel. Et voilà. Les Kaoba, c'était facile. Apparemment, au niveau 11. C'est cool. Pour ma tête. Prends ce badge, tu l'as bien mérité. On a obtenu le badge point de Bastien. Voilà, je cadre. Ça devrait aller. Et prends ça aussi. Bah, c'était Gonflette. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit zoom. Non, je vais pas lui apprendre Gonflette. Désolé pour le petit tremblement. Et voilà. Donc du coup, on peut aller chercher la CS Flash. Elle est là-bas normalement, la CS Flash. On va remettre la lettre à Pierre. Ah oui, j'ai vu qu'on pouvait rebattre les dresseurs qu'on avait déjà combattus. Un croc de granit.
Et toi? Tu risques d'avoir du mal à explorer cet endroit. Il fait terriblement sombre là-dedans. Là, tiens, c'est pour toi. Ok. En plus, j'ai mon arbre. Donc c'est pratique. Hop. Alors, 3D. Ah, hop, Pokémon. Flash, oui. Abracadabra. Donc, du coup, je peux continuer. Un Pokémon, ok. Un Makuhita. On ferait mieux de faire XP un tout petit peu notre petit Gobu. Gobu qui a besoin d'XP. Hop. Pokémon. Poisson. Hop, déplacé. On va le mettre à la place d'une hirondelle. Et c'est bon. On y va. Dans cette grotte. Voilà. Évidemment. Ouais, super, j'ai pas le temps de lire. Et cette force semble différente de celle qu'on verrait par une méga évolution. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui. Qui es-tu? Ah, enchanté Atomania. Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre pour moi? Atomania a remis la lettre à Pierre. Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me la remettre. Ah, je sais, je t'offre la cité Eldacier, l'une de mes préférées. Atomania reçoit la CT51 Eldacier. Je voulais te demander. Tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi. Il y a plusieurs milliers d'années, alors que le monde était encore jeune, des Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh, mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux. Ils semblent excellents. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourrais même devenir maître de la ligue un jour. Voilà, désolé. J'essaie de mieux recadrer. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Bon, je dois y aller. Au plaisir. Ah. Y aller. Hop. Oh. Elle était courte cette grotte. Franchement. On voit ma tête.
dis donc. Plus longue. Et maintenant, on va aller à poivre et sel. Et ouais. On dirait que t'as la lettre. On dirait que ta lettre est arrivée au bon port. Et d'ailleurs, j'ai reçu une autre demande de la part de Monsieur Rochard. Il veut que t'ailles remettre le pack de fond que t'as récupéré, un gars qui s'appelle Poop. Il se trouve au chantier naval de Poivre-Sel. Narcon les amarres. Nous partons sur le champ. Voilà. Poivre-Sel. Poivre-Sel. Ça marche, Moussaillon. Pico, en avant toute. Ça enregistre toujours, c'est bon. Alors, on est arrivé à Poivre-Sel. Si je me trompe pas, tu dois... leur mettre le pack devant Captain Poop, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah, ça est très dur. Donc, du coup, lui, du coup, notre petit, ouais, c'est bon, c'est le petit poisson qui est au début de notre équipe, qui est le premier de notre équipe. J'ai jeté l'encre de tous les ports du monde, mais c'est pas vrai, c'est le meilleur. Ok, fais comme tu veux. Ma choc. Poisson. Balayette, il est pas lourd.
Ma vitesse a diminué. Ok, j'ai une potion. Voilà, c'est bon. En plus, il évolue bientôt. Il évolue bientôt. Que 15 PV, c'est bon, je le tire et c'est bon, c'est bon, c'est cool. Et voilà, niveau 16. L'hirondelle niveau 17. Reflet, non, je prends pas le reflet. Première évolution, les gens, première évolution. Flo, ouh, Flo bio. Classe. Il apprend tir debout là maintenant. Oui, il va prendre tir debout. Ça va être utile pour la prochaine arène. Désolé, 3D. Coup de bouffe. Oui, j'ai oublié une capacité. Voilà. Et tada! Et voilà. XP Flobio ici. Et bah tu as 6 fois 6 soif mon gars. Un zigzaton. Ouh, pas mal le truc de Flobio. C'est bien 3D. Tire debout. Coup de boule. Ah ça va, ça va, c'est pas mal. Il est pas mort. Et c'est bon, le petit Zato est KO. Abra monte au niveau 12, plus que 4 niveaux il évolue. Donc du coup on peut peut-être utiliser une petite potion sur Flobio. Alors on a un Flobio les gens. Voilà. On va voir ses stats. Attaque 34, défense 33, ouais, bon, il y a une meilleure attaque que Attack Speed. Bah, c'est pas mal, le niveau du cadrage. Oula, ouais. Voilà. La 3DS qui tient pas. Mais oui, il y a aussi l'autre avec ses sodas, ici. Mais c'est cool, on pourra s'entraîner un peu là. Et allez. Hop, oui, je vais me battre. Un Azuril. Il est uniquement de type normal. On va juste spammer de pistolet à eau.
On va l'entraîner jusqu'au niveau 20 à peu près. Je vais le faire évoluer dans un épisode. Je vais remettre mon casque en place. Hop. Oh, 1 minute 50 de vidéo, enfin 21 minutes de vidéo en plus de l'intro. Ok, donc du coup, on va faire attaque et tir debout. C'est sa vitesse qui a diminué. Du coup, je suis plus rapide. Moi, j'aime bien Kobo. J'ai la grogneuse. Bon, il y en a qui le trouvent moche, mais bon. Et donc, du coup, on va aller voir le mec qui est juste là. Oh, qui va là? Tu cherches à voler ma glace? Ma glace pilée, hein? Hein? Ah, il fait un combat, c'est cool. Lionel la Terreur. Oh, il n'y était pas, lui. Voilà, bien. Enfin, Pokémon Saphir d'origine, il n'y était pas. Les pistolets à eau. Je sais plus si c'est ça. C'est bon. Love monte au niveau 17. Tu viens de où t'es parti? Je viens de Bourg en vol, je crois. On l'a pas battu. Et voilà. 3DS qui ne tire pas. Tiens pas 5 minutes. Non, tu tombes pas. Je vais m'empêcher de faire l'épisode. Allez, hop. Tire debout. C'est super efficace. Ouh. Ça va faire 24 minutes de vidéo. Dans quelques semaines, c'est Noël. Désolé du coup. Dans quelques semaines, c'est Noël. Qu'est-ce que vous avez commandé, vous, à Noël? Qu'est-ce que vous avez commandé? Voilà, c'est cool. Balayette. Voilà.
Ah, je monte au niveau 17. Donc du coup, on peut récupérer les sodas. C'est ça. Je suis le propriétaire de la maison du bord de mer, et tu peux m'appeler Monsieur Bear. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les combats endiablés de Pokémon. Voyons, si tu as un esprit ardent et combatif, si tu peux vaincre tous ces dresseurs, je te offrirai une récompense. Ah, parce qu'il y en a un autre. Peut-être en bas. Là, ouais, là. Des nouilles sautées. Un Ténéphilix. Est-ce qu'elle va faire méga évoluer? Je ne pense pas. Poisson. Allez. Pistolet à eau. Du coup, on va lui faire tir de boue. Il ne reste que 4 tirs de boue. Ça devrait faire. Sa vitesse est diminuée. Il va me faire quoi? Détection. Il fait détection. Lui, il fait détection. Ok, il fait détection. Sa vitesse a diminué. Hop, tiens-le dans sa figure. Et c'est bon. Hop, niveau 18. Tu vas prendre patience. Non, je vais pas prendre patience. Oui. Abracadabra monte au niveau 14. L'hirondelle monte au niveau 18. Ils vont bientôt évoluer. Ah, oh, mais la 3DS qui fait tomber. Je regarde du coup. Allez. Oui, c'était du combat. Oui. Demi-douzaine. C'est cool. Psst. Et voilà. Ah, on va aller à poivre et sel, les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, à mon compte Twitter également, c'est @zeptomania1, vous connaissez maintenant. Et puis je vous dis aussi, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde!